Culture. La joie et la bonne humeur s'installent dans les studios d'Alger Chaîne 3. Bonjour, bonjour. Linda Tabdarari. Comment ça va ce matin? Bien, on commence fort. Bien la semaine. On commence bien la semaine, déjà avec un bon week-end. Hein. L'événement de ce week-end, c'était bien entendu le concert, oui. J'y étais, la chaîne 3 était en force hein, pour ce concert. Il y avait un direct à partir de l'Opéra d'Alger avec Haydine Khaldi et Abdou Sayeh. Et puis il y a eu aussi nos reporters qui étaient aussi présents, c'est Ali Fares et Fateh Boumehdi. Et c'était vraiment un grand moment artistique, historique. Un moment de partage, d'amour, un cri humaniste, des artistes comme on en voit peu. Il y avait aussi beaucoup de talents, de jeunes talents, puisque les enfants étaient aussi présents sur scène. Ils ont chanté la Palestine, ils ont pleuré la Palestine. Il y a eu de la chorégraphie avec la Debka, et c'est le ballet donc de l'Opéra d'Alger qui a contribué, qui a organisé cet événement, et notamment la chorégraphie était au top. Nos chanteurs se sont dépassés, et il y avait aussi l'Orchestre Symphonique National et l'Orchestre de Musique Andalouse également de l'Opéra d'Alger. C'était vraiment un grand moment de bonheur et de joie et d'espérance surtout, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Il faut savoir aussi qu'il y avait la participation d'une chorale d'une école de Ain Benyane qui était aussi présente. Et il y avait aussi des enfants de 5-6 ans, de 6 ans, 7 ans qui ont aussi participé à cette chorale. Il y avait aussi la chorale de la Rouat qui était également présente. C'était vraiment un moment. On s'est posé, on a apprécié et on espère aujourd'hui. Voilà, donc je tenais à revenir sur ce qui s'est fait ce week-end. C'était le grand rendez-vous culturel du week-end. On attend à ce que nous ayons aussi d'autres rendez-vous à l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger a rouvert ses portes. Les gens étaient aussi heureux de renouer avec l'art et la culture. C'est aussi important. Voilà fait. Soraya, et puis on revient aussi sur pas mal de rendez-vous, sur le musée des antiquités qui actuellement propose des pièces uniques, comme l'est aussi ce musée qui a ses spécificités. Donc vraiment, je vous invite aussi à aller au musée des antiquités qui se trouve au niveau du parc La Liberté, hein, donc en plein boulevard Bouakouir et est dans l'ex-parc de Galland. Donc vous connaissez ce musée, j'y étais, bien sûr. Et donc il y a de très très jolies choses qui s'y font et qui se présentent dans cet espace. Voilà pour ce qui est un peu de notre petite pointe culturelle de ce matin, et on se retrouve. On se retrouvera tout à l'heure.